Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo d'opening. Un opening spécial parce que c'est, on va pouvoir enfin réouvrir un featured, un 5 étoiles featured. Et donc du coup, ça c'est bien ça, ça c'est bien. Alors avant d'ouvrir ça, on va déjà ouvrir ces deux cuissots de grand maître. Bon, même si globalement, on va pas s'attendre à un 5 étoiles. Je crois que j'en ai jamais eu de ma vie des 5 étoiles dedans. Donc on peut être avoir un 4 étoiles par chance, hein, sinon 3 étoiles. Hein. Donc un 4 étoiles, ok, très bien. Ok. Ok, bah écoutez, on prend. Ok, maximum en plus, j'en perds les mots. Et du coup, à mon avis, vous me donnez un 3 étoiles. Hein. Procédant standard, voilà. Très bien. Guillotine, ok. Maintenant, on va s'attaquer au plus important. On va s'attaquer à notre 5 étoiles feature. Alors pour rappel, voici les listes des persos qu'on peut avoir. Donc du coup Captain Marvel, alors évident que je n'aimerais pas avoir, comme elle est compétence de sang. Maintenant, El Diablo, évidemment lui non pas du tout, je ne l'aime pas. Havoc avec plaisir, Mr. Sinister pour le doubler, why not. Nick Fury, c'est le perso qu'on va aller chercher. Clairement, hein, bah, c'est le perso qu'on va aller chercher dans ce cristal là. La chose... Et pourquoi pas, écoutez, comme ça je pourrais mettre, si je le chope, je l'aurai compétence 200. Pourquoi pas. Évidemment, après Black Panther, Cap, Civil Warrior, Cyclope, Ghost Rider, Le Bouffon, Hawkeye, The Hood, Le Kaïd, non, Medusa, oui, pourquoi pas, pour l'éveil. Kamala Khan, non. Rhino, bon, ce serait aussi pareil pour l'éveil comme Kamala, ce serait pas forcément intéressant. Et c'est tout. On va dire qu'en termes de chance, on n'a pas beaucoup de chance. Alors, je ne vais pas tenter tout le temps des features. Là, c'est vraiment pour retenter encore parce que j'avais envie de le tenter. Peut-être que le prochain, ce sera un 15K. Enfin, un 10K. On va voir. On va voir. Mais c'est vrai que là, j'aimerais vraiment beaucoup avoir Sonic Fury, s'il vous plaît, Kabam. Écoutez-moi. Donnez-moi Nick Fury, s'il vous plaît. Donnez-moi Nick Fury. Je ne demande que ça. Que Nick Fury. Après, le reste... Après, si vous voulez, vous pouvez me donner deux dos dans les 10K, il n'y a pas de souci. Je gueulerai pas trop. En tout cas, ouais, je viens de voir passer là. Allez, s'il vous plaît, pour la synergie avec ma Captain Marvel, pas une daube. Non. Oh. Je sais même pas si c'est l'éveil. Est-ce que c'est l'éveil? Non, c'est même pas l'éveil. Hein. Ouais. Bah tant pis. Ça aurait été une tentative échouée, lamentablement échouée. Tant pis, on va repasser un peu sur du 15K, et puis peut-être qu'après on passera sur du 15, enfin on va passer sur du 10K plutôt, et après on passera sur du 15K un peu plus tard. Ouais. Enfin, ça fait toujours mal hein, de tirer un bouffon vert avec un 15K, ça fait toujours mal. Mais bon voilà, hein, c'est le jeu. Après je sais que Nick Fury arrive dans les 10K, normalement dans un mois. Donc bon, pourquoi pas. On verra. Bah écoutez, n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous tentez aussi des 15K, si vous avez réussi à choper Nick Fury ou Captain Marvel ou autre. Voilà, n'hésitez pas à me dire les commentaires. J'espère que vous aurez du coup plus de chance que moi, plus que dans ce tirage-là. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Sur ce, bah, du coup, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'opting gameplay et encore d'autres choses voilà, sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis sur ce, moi je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.